Alors j'ai testé pour vous le baral colle époxy métal fixation et réparation. Donc ça répare, ça fixe, bicomposant, les fissures, les perçages, les filetages, les trous, aspect liquide pailleteux, intérieur extérieur, sèche en 15 minutes, plus 120 degrés à moins 40 degrés, les jours jusqu'à 5 mm. Donc il n'est pas périmé hein, puisque non il n'y a pas de date de périmation, hein. Non, il n'est pas périmé, vous voyez j'ai acheté ce jour là. Donc le mode d'emploi s'utilise sur un support propre et sec, ce qui était le cas. Ouvrir la seringue en haut, sur une feuille de papier, faire sortir un peu de produit pour chasser l'air. Placer le doseur automatique pour plus de précision, comme c'est celui-là. Voilà. Appliquer le produit sur les parties à réparer, maintenir une pression sur les pièces à assembler pendant environ 15 minutes pour assurer un collage parfait. En cas d'utilisation sans doseur, verser le composant de papier en poussant le piston bien et bien les mélanger jusqu'à obtenir une couleur uniforme pour l'appliquer. Le dosage idéal est obtenu grâce au doseur automatique. Ne pas mélanger trop de produits à l'avance. La chaleur dégage, le mélange peut entraîner une odeur désagréable. Attention, après le mélange 3-4 maxi, le temps de travail avant le durcissement. Alors, je vais vous dire honnêtement, c'est de la très grosse merde. Voilà, ça durcit jamais, vous voyez. Toujours mou à l'ongle, là on vient de le voir, hein. Voilà. Ça durcit pas, vous voyez. Hop, ça devient, c'est toujours un peu, voilà. Et il a fallu que j'en mette beaucoup pour obtenir un collage à peu près. Bon, là le surplus, à la limite, on peut le meuler à la lime. Mais vous savez quoi, je vais même pas tenter. Le problème c'est que vous allez me dire pourquoi réparer cette durite là. Ben, simplement parce qu'elle n'existe plus. Voilà, le fournisseur, le concessionnaire ne le fournit plus. Donc ben par le fait, obligé de le fabriquer soi-même. Hein. Donc je ne tenterai pas quoi que ce soit là. Regardez, ça s'enlève facilement à l'ongle là. C'est de la merde en barre. Le temps de séchage, pour obtenir ça, hein, il m'a fallu au moins 3-4 heures à une température de 40 degrés quoi. Donc sinon ça reste à l'état liquide, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde en barre, n'achetez surtout pas. Alors j'ai essayé les deux procédures. La procédure sur laquelle le mélange automatique. Et la procédure, alors la procédure avec le mélange automatique c'est la pire. Et je l'ai fait avec le mélange en appuyant dessus directement sur un carton que j'ai mélangé. Hein. J'ai l'habitude de mélanger des produits puisque je suis carrossier peintre, premier métier. Donc par le fait, les mastics je sais les mélanger. Hein. Et on obtient juste que ce soit légèrement plus dur, quoi, que ça solidifie, mais rien de plus quoi. Hein. Enfin, franchement c'est de la merde, je vous conseille pas du tout.